Comme on est dans le moment dur dans le match, et il va être le moment dur aujourd'hui, ça c'est sûr. Comme tu penses, tu vas être ton limit. Dans ce moment, c'est pas toi contre l'Est, c'est toi contre toi. Venez chez nous, on a l'équipe pour. Allez. C'est bon? Allez. C'est parti, les gars. 'est très bien, continuez comme ça. Les opportunités, on va en avoir, on va franchir cette putain de ligne. Je suis persuadé. C'est bon les gars, récupère bien et on va redémarrer très fort. Allez, continuez à taper la porte les gars. Continuez à taper, franchement, vous êtes très intéressant quand vous avez le ballon. Les gars, à côté, on dit lâche, 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 on dit lâche, ok. Intelligent, ok. Pas aller trop loin les gars. C'est quoi les clés les gars? C'est quoi les clés? Control la ballon. Control la ballon. On est fort que les deux équipes avec le ballon. Le mec faible va échapper maintenant. Il reste fucking 40 minutes. Allez, 13-12, un point d'écart à l'avantage des Irlandais. Franchement, les 20 premières minutes, on s'est regardé en main, on a dit comment on va faire. On a trouvé l'énergie, on s'est soulevé, on s'est aidé. Oh, c'est ça les gars, ça c'est du rugby. Et je suis vraiment fier de vous. Pourquoi? Parce qu'on a représenté beaucoup de monde. Je vous assure les gars, pour le club, chacun d'entre nous, on a fait une putain de choses. Et on va continuer. Je veux pas que je reste à l'aéroport. 22! C'est bon, il est là! Oui! 2013. On fait quoi là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est, champion? Tu me veux pas? Oh, mais ils sont décollés. Que des passes. Parce que c'est ton avis, ok. Je pas les bam! Trempé dans la mayonnaise. Ça, je retiens. Hôtel de Thomas, le délice Nansan, il est clair. Bon, respect, petit métro, petit métro. 13h12. Un Ambi, tu demandes à Carmi. Demande à Carmi, il le sait bien, il c'était le chef. À l'époque, vous étiez fort comme Rambo et doux comme Bambi. Donc on vous appelait les Rambi. Et allez, bon gars, ça l'est là. Sa meilleure amie, elle est là. Le toast. Non, c'est pas moi, c'est pas moi.
Il m'est arrivé un truc de fou cette nuit. Moi presque. Du Gers. Je partais de Pavie. Je te jure. Je suis passé devant le charlatan, je me suis arrêté à Massep. Ah ouais. Je t'ai arrêté à Massep. Massep. Quoi, tu connais Massep? Fucking job, concentration, next job, next job, next ball, oui. C'est bon, le plan il est clair pour tout le monde. Les détails c'est fait, maintenant juste exprimez-vous, c'est tout. Ouais. Prends plaisir les gars, prends plaisir, c'est tout. C'est notre temps, notre moment. Fucking enjoy. Let's go. Bon match. Same problem? No. Same fucking problem? No. Yeah, fucking brilliant. Parce que pour moi, aucun problème. Comme tout ce que disent, on va fucking trouver une solution. Chesley and Colby, we barely mentioned it at our match. And Colby, they won't have scored. Back inside to Cruz Malia. Back home.
réaliser notre cœur, nos rêves. Mais putain, on a continué. Mardi, on était là, on est resserrés tous ensemble, on a continué. Et moi, c'est que je suis vraiment fier dans cette résilience qui se passe dans ce groupe. Quand c'est dur, quand le temps est dur, c'est les durs qui continueront. Et là, c'était peut-être la dernière à De Flandre, mais il y a encore vraiment quelque chose de beau à chercher. Et ça, on va faire tous ensemble. Dans le même état d'esprit qu'on fait depuis le début de saison. Et ça fait vraiment du bien. Hein. Merci les gars, merci beaucoup. Vous savez qu'on a besoin d'une pointe. Plus de 90% des joueurs ratent cette penalty parce qu'ils boivent le café pendant l'année. Mais quand c'était ton opportunité, tu as fucking pris le tee et tu as fait ça. C'est important pour tout le monde. Et maintenant, pour recharger la batterie avec le banane en attaque vendredi prochain. Toujours se mettre dos au coach qui fait les abdos. Ça, il te voit pas quand tu les fais pas. Montez les genoux. Quand vous montez les genoux, vous rentrez le. Certains d'entre vous ont besoin de faire des collisions à 100%. D'accord, dans leur semaine de préparation. Il y en a qui n'en ont pas besoin, il y en a qui en ont besoin. On ne peut pas imposer ça à faire ça à tout le monde, parce qu'il y en a parmi vous qui ont joué plus que d'autres. Et ça, c'est dans votre routine de préparation à jouer des matchs de haut niveau. Sommes-nous responsables de l'avenir? On est philosophes. Et après, tu fais une synthèse? Je fais pas l'intellectuel là parce que t'es filmé, hein, tu fais rentrer du livre, tu lis chi. Rien du tout. Jules Pisson. Non, toi, je sais très bien, mais t'es un grand lecteur. Alors, non, toi. Is the threat outside this room or in this room? On a fucking entraînement de dimanche, était fucking là. Lundi, normal, cette fucking merde hier. Demain, on va donner quoi? C'est pas possible, les gars. Le fucking vie de rugbyman, c'est court. Vous avez travaillé dur. Il y a beaucoup de bons mecs ici, mais le bon mec fucking gagne pas. On garde la même ambiance, avec le même respect pour tout le monde ici, en attaque le fucking prochain à 8 jours ensemble. Ça commence avec demain soir. Ils ont joué Brive facile, ils ont joué Agen facile, ils ont joué Stade Français facile. Il faut qu'ils tombent sur du dur demain. On sera plus en forme qu'eux, je vous le dis. On a qu'à se le décider là maintenant, et demain il n'y a même pas de photo. Il n'y a même pas photo. J'imagine même pas autre chose que d'aller au Stade de France. C'est chiant de manger tout le temps, mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow, oui! Magnifique! Il a 3-3, 3-3. Tu rigoles ou quoi? Si! Non! Ah, si, 3-3. Mais non, il y a un mien, j'en ai mis un. Ah oui, 3-2, pardon. 3-2, on est pas, mais. Je
bouge pas parce que la dernière fois. Il m'a coupé un. On a été jusqu'à l'accident. À Montpellier, il m'avait coupé un morceau de strap. Il m'avait coupé la peau là. 4 points. 4 points ? Non. On a prêt. Maintenant, la récompense pour tout le fucking travail sur cette prochaine 80 minutes. On se dit au revoir, on se casse à Bacal ça, ce soir. Moi j'ai pas envie. On a trop bossé. On a trop fait des sacrifices. Ok? Donc on va le décider. Quand je vous regarde un par un, il n'y a pas un mec comme ça en face. Je vous le dis. Croyez-moi. Mais oui, ils n'en ont pas. Des gros, ils n'en ont pas. Dilly, Raymond, Brice, vous êtes les meilleurs. Yaya, pareil. Jules, vous avez vu le balcon, hein? Je vous le dis, on va le rouler dessus. On va le rouler dessus. Dans l'intensité, dans l'engagement, on va jamais s'arrêter. C'est bon, les gars? Allez, 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 allez. Soutien plus costaud, plus costaud, ok? C'est juste ça. Il nous attaque sans ballon, on le savait, on l'avait vu, d'accord? Donc n'isolons pas le porteur. Une question, est-ce que c'est possible que ce mec en face il est plus envie que toi contre les fucking crackers? Impossible. Il est plus envie que toi. Il va fucking craquer, mettre la pression. Allez, faut courir. Mettre la pression. Je utilise une expression toute la saison. Frapper sur la porte va fucking tomber. J'ai pas un autre message. Continue, les gars. Allez, go. Maintenant les gars, tout ce qu'il y a autour là, le stade et tout, faut qu'on fasse abstraction de tout ça, ok? On en profitera après le match. Maintenant, concentrons-nous sur le rugby, ok? Le rugby, sur notre job sur le terrain. Chacun doit faire son job à 300%. Ce matin, on a vu une tortue, j'aime qu'elle. Oh. Là, il y a une tortue comme ça, c'est une tortue tropicale qui est là. On a fait 4 km dans ce sens, on a vu une tortue sur la petite fontaine qui est là-bas. Elle est comme ça, c'est une tortue tropicale. Elle a fait coucou Romain. Elle a dit bon coucou Romain. C'est une statue. Elle a plongé. C'est trop tropical. Elle a plongé, il y a eu des vagues. Elle est comme ça. Ah, ça y est, déjà elle a du volume. C'est pas bon la vitesse.
un peu fou. Non, franchement, elle est comme ça. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'histoire du groupe. Puis, il y a un an, on a décidé tous ensemble de venir ici. Dans les étapes difficiles, on a décidé de revenir, de se relever la tête et de devenir meilleur. Il y a des mecs qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de sacrifier leur corps. Maintenant, on va décider tous ensemble de s'envoyer comme des chiens et de chercher nos limites et d'aller toucher ce coucou. L'objectif, c'était d'y aller. On y est. Par contre, maintenant, on a 80 minutes pour que cette journée, elle soit gravée à vie. Jetez un coup d'œil dans les tribunes, ils y sont tous. Hein. Il y a les familles, il y a les amis, il y a les supporters, il y a tout le monde. Prenez le temps de monter, par contre, on siffle et ça pète. Feu. C'est pour ça, ils tapent. Faut que taper. Ils sont des 3 points, des drops, des 3 points. C'est que comme ça, les gars. 12-0, les gars. On n'a plus rien à perdre. Hein. Nous, on fait trop de fautes. On tombe trop de ballons. Ok, 12-0, c'est rien, les gars. On peut pas être dans le match. On avait dit une chose, pas le surjouer. N'ayez pas peur de mal faire. Yeah. On a la puissance, on sait jouer au rugby. Donc, il faut pas se poser de questions. Oh, lâchez tout, comme a dit Greg. Hein. Je vous le dis, on a deux marques. Hein. 100% avec le cœur. Ok. It's the fucking minimum. J'ai même pas parlé de fucking gagner une victoire ce soir. Il ou le respect. Done. C'est fucking fini. Pour notre vie. C'est pour vous les gars. Yeah. Allez, 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 allez. C'est clair, on a peut-être fait le pire match de la saison. Par contre, la saison a été belle. Alors, on va se servir d'un socle, peut-être dur à encaisser, c'est sûr. Mais servez-vous-en, parce qu'on ne peut pas sortir un match comme ça avec la saison qu'on a fait. On passe à travers. On n'est pas encore payé, ça c'est clair. Et ça va arriver, je vous garantis que ça va arriver.